Valenciennes 13e accueille le Stade de Reims, le champion. Les Valenciennois vont donc essayer de faire chuter ce Stade de Reims qui est incroyable cette saison et qui bat tous les records. Cela dit, les Rémois restent sur une défaite. Ils ont perdu 1-0 à domicile contre Le Havre en match en retard quelques jours auparavant. Ça n'altère évidemment pas leur saison fantastique. Mais ils vont essayer de reprendre le chemin de la victoire jusqu'à la fin de la saison. Alors que Valenciennes ne craint plus rien, n'a plus grand chose à espérer et peut faire une fête devant son public. La première opportunité est en faveur de Valenciennes. 3 minutes suffisent à Gaëtan Robaille pour marquer son 6e but de la saison. Très jolie frappe de Robaille. Et Valenciennes est bien lancé dans ce match. Les Reims réussissent à réagir avec ce ballon récupéré, donné en retrait pour Alindom. C'est effleuré par Damien Perkis, mais pas suffisamment pour sauver la situation. Deuxième but de la saison pour Alindom au quart d'heure de jeu, un but partout entre les deux équipes. Et Reims qui continue à aller de l'avant avec Dom pour un centre. Le ballon qui arrive au deuxième poteau. Xavier Chavalerin croise parfaitement ce ballon. 38e minute, Reims a renversé le match et mène maintenant au score. 5e but de la saison pour Chavalerin. Les supporters rémois qui ont fait le déplacement sont contents. D'autant plus que leur équipe continue en seconde période avec ce centre et une reprise de la tête à bout portant de Pablo Chavaria. À un quart d'heure de la fin, ça fait 3 buts à 1. 14e but de la saison pour Chavaria. Valenciennes restait sur une victoire et 3 nuls sur le score de 2 buts partout. Une seule défaite sur les 6 derniers matchs. Mais là, c'est difficile contre des Rémois qui sont très décidés à tout gagner jusqu'à la fin. Et Reims, assez logiquement, s'impose 3 buts à 1 sur le terrain de Valenciennes.